Bonjour à tous. Après avoir montré des moyens en plat avec notamment une troisième place dans un groupe 3 pour AQPS sur les pronoms de cran, l'As Cadeau de l'Est s'est montré convaincant pour ses débuts sur les obstacles cet hiver à Pau avec une deuxième place à la clé. Pas revenu en compétition depuis janvier dernier, ce sera donc une rentrée pour se protéger de Daniel Emele et une découverte du tracé d'Auteuil. Mais au regard de l'opposition, le coup me semble jouable. Je me méfie également du numéro 5, Coleman de Beaufour, qui après des débuts ratés sur les haies de Fontainebleau vient de courir en gros progrès sur les haies de Moulins avec une deuxième place à la clé. Alors la donne change ce samedi pour ses premiers pas sur la butte Mortemart, mais si Gaby Lenders le présente, c'est qu'il y croit et moi je lui fais confiance. Maintenant, c'est à vous de jouer, surtout n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Cote dans la 8e.